Vous cherchez la maison de vos rêves? Bienvenue dans le quartier. Waouh! J'adore! Oh non, l'orage! Et qui est-ce? Hein? Ne vous approchez pas de ma maison! Ne vous approchez pas de moi! Eh bien, l'orage est passé. À plus tard. Au fait, c'est ta maison. Celle-là? C'est génial! Ma propre maison! Youpi! Je vais la peindre! Hey, qu'est-ce que tu fais? Établir les limites. Pas d'intrusion. Sérieusement? Vous utilisez du ruban adhésif? Occupez-vous de vos affaires. Hein? D'accord alors. Rejoignez-nous pour un défi de maison à une couleur avec Mercredi vs Enid. Je suis prête à peindre ma maison. Je vais utiliser un type de peinture rose. Oui, c'est ça. Du rose et rien que du rose. Et un pinceau. Mélange du rose avec du rose. Maintenant, nous sommes prêts à peindre. Juste quelques petits coups de pinceau. Je crois que c'est tout. Hein? C'est juste un carré. Oh non! Cette méthode de peinture prend une éternité. Il faut trouver autre chose. Que penses-tu de ça? Éclabousser avec ce pot de peinture. Oups! Ensuite, tu utilises un rouleau pour étaler la peinture uniformément. C'est fait! Oh, attendez! Ce sont de vieux CD. Je peux en faire quelque chose. Je vais les aligner ici sur le toit. Tada! C'est si joli! Je vais inonder ma maison de beaucoup d'amour et de baisers. Mouah, mouah! Qu'est-ce que ça fait? Regarde! Une porte et une fenêtre faites d'amour. Faisons-en d'autres. Décorons-la avec un nuage. Et d'autres nuages de couleurs et de tailles différentes. J'adore ma maison. N'est-ce pas cool? Je vais me couper les cheveux. Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un pinceau. Voilà, et maintenant de la peinture grise. Cela devrait suffire. Ah, ça prend trop de temps. Tu as peut-être besoin d'inspiration? C'est vrai. J'ai une idée. J'ai juste besoin d'un meilleur pinceau. Et je vais avoir besoin de cet ours pour en fabriquer un. Tu viens avec moi. Maintenant, aide-moi à peindre la maison. Oh non! Qu'est-ce que Mercredi a fait? Elle a utilisé l'ours comme pinceau. C'est encore mieux. Beau travail, l'ours rose. L'ours rose, où es-tu? Oh non, où est-elle allée? Rejoignez-moi pour creuser. Pauvre âme! Maintenant, je vais arracher tous ces os. Je peux les mettre sur mon toit. Parfait. Maintenant, des vitraux pour la porte et les fenêtres. Et une sonnette qui donne la chair de poule. Les chauves-souris s'attaquent aux cheveux des nids. Elles ont décoré mes murs en un rien de temps. Mes cheveux! Oh, enfin! Hein? Mon collier est coincé! Oh non! Le collier des nids s'est cassé. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une idée! Les perles colorées m'ont inspirée. Ignorons les tremplins. Commençons par le violet.
Tu aimes le violet? Et peignons le reste avec d'autres couleurs. Bravo! C'est amusant! De quoi d'autre une maison a-t-elle besoin? Devinez! Un minibus? Oui, c'est ça! Une boîte aux lettres en forme de minibus. Tu aimes ça? Et nous avons quelque chose aussi. Un drapeau en arc-en-ciel. On peut l'accrocher ici. Youpi! Oh, et le potager est prêt. Arrosons-le. Waouh, de jolies fleurs qui s'épanouissent et des papillons aussi. Pendant ce temps, au jardin de mercredi, Berk, mort. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un pieu? Ah! Hein? Ça va aller. Quoi qu'il en soit, je dois faire quelque chose d'amusant. Voici une poche de sang. Perce la poche et laisse le sang couler. Laissez-le couler pour remplir ses bottes. Un spa intéressant pour les pieds. C'est pour donner à mon sentier un design d'empreinte sanglante. Vous voyez ce que j'ai fait? Et j'ai besoin d'une pierre tombale ici. Creusez une tombe peu profonde. Et mettez ce panneau de défense d'entrée pour que tout le monde le voit. Bien sûr, vous pouvez empêcher tout le monde d'entrer, sauf la chose, bien sûr. Il veut sa propre chambre. Très bien, voici une chambre pour toi. Quel lit la chose doit-elle utiliser? Le lit numéro 1 ou le lit numéro 2? Dites-nous dans les commentaires. 2. La chose aime le lit numéro 2. L'aimes-tu aussi? Voici un tapis rouge, une étagère de vernis à ongles et une baignoire bricolée. Cette palette de couleurs de vernis à ongles comme décor mural. Installons la baignoire. La chose est prête pour sa manucure. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge est la couleur préférée de la chose. Elle te va ravir. Beau travail, mercredi. Tu es sociable et tu t'amuses. Arrêtez. Je ne suis pas. Cool l'intérieur, mercredi. Rose et étincelant. Quoi? C'est pas possible. Cela n'a rien à faire ici. C'est plus à mon goût. C'est aussi un radar à chauve-souris. J'ai un tapis rouge ici. Doux comme du velours. Que manque-t-il d'autre? Je sais. J'ai besoin de lumière. J'inspecte chaque ampoule et je m'assure qu'elle fonctionne. Et voici le centre de table. Oh, j'ai oublié quelque chose. Une vitrine de mes outils préférés, bien sûr. La maison est prête. Bienvenue dans la maison des nids où il y a des ours en gomme partout. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez! Les ours en gélatine sont restés collés à ma main. J'ai une idée. Frotter ma main l'une contre l'autre et faire pleuvoir des ours en gélatine. Regarde toutes les couleurs. Ensemble, elles forment de gros ours en rose. Parfait pour mon mur. Et un tapis moelleux. C'est pas beau, ça? Ah, mon horloge à cupcakes. Je vais l'accrocher ici. Et ce sac à provisions? Mets-le ici. On peut ranger les peluches ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, je sais. Regarde mes néons. Ajoute un oreiller. Waouh! Une boîte de Lego. Voyons ce que nous pouvons faire.
assemblons quelques Legos de couleurs aléatoires. Formons un cadre dans lequel nous pourrons placer l'iPad. Porte iPad en Lego coloré. Oh, quelle maison douillette! Miaou, miaou. Quelle drôle d'émission! Miaou. Oh, un chat! Hé, mon pote, viens ici! C'est trop mignon! Pensez-vous avoir une chambre de libre pour notre invité spécial? Bien sûr que oui! Nous allons faire une chambre pour les chats. Voici une étagère pour les petits jouets de Kitty. Quelle collection! Et un parterre de fleurs en peluche rose. Une fontaine pour l'eau fraîche. Un griffoir est indispensable. Et un joli bol de croquettes. Ajoutons aussi ce jouet de plumes. Accroche-le ici pour qu'il puisse s'amuser. Votre chambre est prête. Tu aimes ta chambre de chat? C'est un oui! C'est la récréation! Ça vous plaît? Dites-nous ce que vous en pensez. Ok, voyons voir. Quel gâchis! J'adore ça! Oh! Je vais vous aider. Ah! Merci. C'est fait! Maintenant, déballons. Ma machine à écrire. Mettons-nous au travail. Hey! Aidez-moi! Ok. Chose! Va l'aider à nettoyer. Oui, maintenant. Qu'est-ce que... D'accord, allons-y. Travail d'équipe. Je crois que... C'est tellement lourd. Ah! La chose... Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Je t'ai trouvé une amie. Où vas-tu? Viens ici. J'ai besoin de son aide. La chose est à moi. Juste un peu. Non. Oh non! La chose vient d'arracher le luminaire. T'as entendu ça? Qu'est-ce que c'était? Je suis vraiment désolée, Mercredi. Hé, laissez-nous entrer. Ouvrez. Hey! Oh, chose, espèce d'effrontée, que fais-tu? J'attache les lacets de ses chaussures. Hein? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Viens ici, Enid. Mon tour. Wow! Je t'ai eu. Oh, merci beaucoup. Mercredi a une vision. Une vision plutôt romantique. Hein? Oui. Ew! Hein? Mercredi? Qu'est-ce que tu disais? Ce n'est pas un bon jour pour le romantisme. Ok, regardons ce lit. Oh, j'aimerais avoir une chambre plus colorée. Oh, non! Oh! Je veux une chambre noire. Question. Vous pouvez vous battre contre moi. Oh, je le ferai.
la chose. Bonne idée. Oh, il divise la pièce en deux. Ici. Ok. D'accord. Oh, regardez cette belle fenêtre. Les filles viennent de découvrir cette belle fenêtre. Mais comment vont-elles la partager? Je vais la peindre avec du vernis à ongles. J'ai une meilleure idée. De la dynamite et un seau de peinture? Oh, mes cheveux sont beaux! Et je finis de décorer. Merci, colocatrice. Pas de câlin, décorons-le en noir. D'accord, mais mon côté a beaucoup de couleurs. C'est charmant. Oh! C'est ennuyeux. Arrêtez d'abîmer vos vêtements. Oh, Enid les a transformés en décorations de chambre. C'est beau, non? Vous venez de me donner une idée. Non, pas une araignée. C'est ça! Mettons-nous au travail. Ah! Oups. Ah! Beurk. Oui, c'est de ça que je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, taisez-vous, mon arc-en-ciel. Jetez un coup d'œil à mon joli lit. Je vais regarder un film. Oh! Il est cassé! Je dois trouver autre chose. Un flotteur? Oui, avec un tas de coussins. Yay! C'est la chose la plus confortable qui soit. Jaloux? Qui? Moi? Prenez ceci pour votre collection. Et au mercredi! C'est dégoûtant! Voyons si mon lit est confortable. Non. Ça va m'aider. La douleur. Oh oui. C'est tellement bizarre. Je pense qu'elles sont ici. Allons-y. Oh. Hey! C'est pour toi. Merci. Viens avec moi. Ok. Regarde le nombre de coussins que j'ai. Celui-là est mignon. Je ne sais pas où elle est. Peut-être ici. Oh, je vois. Mercredi. C'est la chose. Et il ne fait rien de bon. Je ne vois rien. Je crois que je peux vous aider. C'est pour toi. Des roses roses et rouges. Change en cela. Juste un peu de mes produits chimiques spéciaux. Elle les a rendus noirs. Hein? Quoi? Un scorpion! Ah! Viens avec moi! Wow! Quoi? À moi! À moi! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas un problème! Je vais faire ma propre étagère. Il y aura une licorne et une
une photo de mon petit ami. Oh, et des fleurs! D'accord, je peux aussi faire quelque chose. Soyons très bricoleurs. La peinture noire est indispensable. Est-ce qu'il vient de faire une étagère en forme de cercueil? Parfait. Tout est à sa place. Et une photo de lui. Romantique, je suppose. La chose, apporte-moi mes fléchettes. Merci. Dans le mille. Et mercredi? Ne regarde pas! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Oh. Je crois que je vais y aller. Hein? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est ma photo! Non! Pas la tienne! Ne regarde pas! C'est si mignon. Ok, mettons de la musique romantique et dansons. Je déteste ça! Je vais aider ma copine. Plus de ta musique. Hé! Hey! Oh! C'est mieux. Beaucoup mieux. Waouh, cool! Wow! Regarde ma jolie tasse. Je la mets juste là. Et c'est parti pour le travail. C'est moche. Là. C'est tellement mieux. Oh non. Ma précieuse tasse. On ne peut pas réparer ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est drôle quand elle pleure. Je vais faire quelque chose de mieux. Attends. Sors tes doigts. Mon moule est prêt. C'est parti. C'est l'heure de la résine. Je vais la verser jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet. Ça devrait suffire. Voici ma nouvelle tasse. Je vais la mettre dedans. Maintenant, peignons-la. Oh! Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Oh, waouh! Tata, c'est vraiment génial! C'est toi qui l'as faite? Waouh! C'est trop cool! Waouh! Oh mon Dieu! Je peux pas! J'ai juste... Je peux pas! Clap, clap, petit clap! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrez! J'ai tellement envie de faire pipi! J'ai une idée! Laisse parler l'argent! Oh là là! Viens voir, maman! C'est beaucoup d'argent! Je vais prendre ça. Aïe! Oh, je t'ai frappé? Rends-moi mon argent et va-t'en, hors de mon chemin, pays d'Anne. Enfin, je peux partir un peu maintenant. Ah, c'est une charge en moins. Allons conclure les choses. Ah, ce paysanne! J'ai pas d'autre choix. Vas-y, laisse-moi faire. Go! J'ai hâte de dormir un peu plus. Attends, où est le... Oh, c'est drôle. Je vais lui montrer quelque chose de plus drôle. D'accord, voici notre moule. Et notre résine. Coulons-la jusqu'en haut. Génial.
Maintenant, il est temps de pulvériser. J'espère qu'elle a besoin d'aide. Chut. C'est parti. Ah, mes beautés, vous me rendez aveugle aujourd'hui. Et vous aussi. Tout ce que j'ai, c'est ça. Mon Dieu. Habille-toi bien, fais-en la fête. J'aimerais bien avoir ça. Tout ce que j'ai, c'est une clémentine. C'est tout ce que j'ai. Eureka! Sortons un coin. Joli. Et ajoutons un anneau. C'est très joli. Maintenant, trempons-la dans de la résine. Je pourrais garder ça pour toujours. C'est magnifique. Sèche vite, bébé. Oh, mon... Oh, waouh! Tu es magnifique. C'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Trop dur. Quoi? La fermière m'a surpassée? Je suis tellement en colère. Bonjour, mes bébés plantes. Ah, c'est si joli. Tu es aussi jolie, bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu trouves que c'est joli? Si tu le dis... Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Oh, c'est si triste. Oh, oh, bon sang, je ne peux même pas bouger. Vous allez bientôt grossir, les bébés. Regarde-la. Ah, ma plante. Chut, je vais lui montrer. J'ai ce moule génial. Et de la résine. Remplissons-le à ras-bord. Il n'y a pas d'arrêt maintenant. C'est l'heure du séchage. Ah, il n'y a rien de plus beau que ça. Je suis si fière de moi. J'adore ça. Aïe, 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 aïe. C'est tellement vulgaire. Les miennes sont les meilleures. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh, c'est dégoûtant. J'ai les jolis pieds et elle a les pieds qui puent. Une journée au spa. N'oubliez pas vos concombres. Et voilà. Trop cool. Les mains, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'il y a sur... Sortez, madame, sortez. D'accord. D'accord. J'ai presque perdu mon pourboire. C'est l'heure des épaules. Oh, mec, bon sang. Au moins, j'ai eu du porridge. Yam yam! Attends, je peux aussi faire un masque pour le visage? Voici mon ingrédient secret. Un Cheeto! Mélange, mélange, mélange. Ça sent bon. Oh oui, j'ai une idée. Jouons-lui un tour. Bonjour, masque de beauté. Laisse-moi te mettre. Je me sens déjà belle. Oh mon Dieu! Aide-moi! Mon visage! Mon visage est coincé! À l'aide! Petite fille, arrête! Oh non! Est-ce que ça va être mon visage pour toujours? Attends, idée! Voilà. Ouf. Eh, ça a l'air cool. Soyons créatifs. Je vais verser le jus magique, de la résine bien sûr. C'est l'heure de la peinture en aérosol doré. En 3, 2, 1... Cette décoration de visage en or est époustouflante. Jette un coup d'œil. Ça va devenir virale. Attends, tu travailles pour moi? Je me retire. Madame, attendez!
J'ai besoin de thé. Remercie Dieu pour cette machine fantaisiste. C'est vraiment chic. Je pense que je vais faire le mien. Pauvre paysanne. Regarde ça. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Ouh, c'est fichu! Oups! On t'est prêt! Idée! Allons-y! On va faire de l'artisanat. Je scie des tuyaux, tout le monde. Ma machine est prête. Regarde comme c'est chic. Sentez les gars. C'est de la folie. Ce jouet Poppit est tellement relaxant. Je ne peux pas atteindre. Amusons-nous un peu. Il faut que tu aies une vie sans fin pour m'embêter. Oh, 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 ah, c'est trop drôle. Oh mon Dieu. Oh. Je vais lui donner une leçon. C'est ça. C'est parti. Tous les clous sont enfoncés. Il est temps d'ajouter de la résine. Et par un peu, je veux dire beaucoup. Coulez et recouvrez ces bébés. Comme c'est beau. Regardez la résine couler est tellement amusant. Débalance cette beauté. Elle a l'air d'une tueuse. C'est tellement excitant. Ah, les lits sont si ennuyeux. Laisse-moi m'asseoir juste là. Tu as réussi! Oui, c'est cher! Oh, qu'est-ce que c'est? Il fait si froid! Hein? Pas question! Ma lampe! Ma belle et chère lampe! C'est toi qui as fait ça! Je n'ai pas... Regarde l'étiquette du prix. Je me fiche de savoir comment. Répare-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Cette feuille me donne une idée géniale. Prenons cette jolie feuille et mettons-la ici. Quelques lumières aussi. Une autre jolie feuille. Et là, maintenant de la résine. Je vais la remplir à ras-bord. C'est tellement satisfaisant à regarder. J'ai hâte de le voir terminer et de lui en mettre plein la vue aussi. Regarde comme c'est mignon. J'adore ça. Hé, va-t'en maintenant. Maintenant, chou! Incroyable! Ouf! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air sympa. Très chic aussi. Oh oui! J'adore tout ce bling-bling. Tout ce que je peux aimer, c'est ce bleu. C'est tellement ennuyeux. Oh mon cher! Aïe! Aïe! À l'aide! Sans mes bijoux. Oh, sérieusement? Vraiment sur elle? Non, plus maintenant. Oui, madame. Ah, c'est si beau. Ah, rendez-moi à nouveau jolie, mes bébés. Alors, ça est à moi maintenant? Génial. Je vais l'améliorer.
Mets cette petite branche sur un support. Maintenant, je vais accrocher mon or. Quelques-uns de plus ici et un autre là. Une œuvre d'art. Je me suis encore emmêlée. Hey, qui a volé mes bonbons? Par ici. D'accord. Suivons-le. Je t'ai presque eu. Voyons qui tu es. Est-ce que c'est un rat? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Regarde, regarde! Il y a un rat là-dedans! Hé, toi, tu es là! Bonjour, petit bonhomme! Mouah, mouah. Tiens, embrasse-le! Oh non! Ah, c'est vrai, c'est sa perte! Rentrons à la maison! Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, des pommes de pin! C'est si joli! Tout d'abord, remplis un pot avec les cônes. Ce rafle-là le corps d'une boîte. Maintenant, la résine. Versons-la. Oh, elle est si brillante! Continuons à verser. Je vais ensuite la recouvrir et la faire sécher. Tada! La boîte est prête. Elle a un couvercle. Et mes bonbons sont en sécurité. Oh, s'il te plaît! Regarde ça! Pas encore ça! Ah! Où nos dames vont-elles dormir? Découvrons-le! Oh my God! Je dois avoir ce lit! Majordome! Apportez-moi ce lit! Très bien, mademoiselle. Silence, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? On vous veut pas de mal. Je viens juste acheter mon lit. Majordome, faites-le bouger. Mais où est-ce que je vais dormir? Mon travail ici est terminé. Cool, je peux avoir un lit pour 20 dollars. Bien sûr, voici un matelas gonflable. Parfait. Sérieux? Tout est fait. Quel joli petit lit. Plus pour longtemps. Prends ça, pauvre loser. Ouh, mon nouvel oreiller. Mignon. Hey! Et un autre. Sérieusement? Oh. J'ai une idée. Mon cadre de lit. Quelques draps. Et un baldaquin. Maintenant, on ajoute quelques décorations. Et voilà. Montre-moi ce que t'as. Tiens, et c'est mon lit. Oh, très confortable. J'adore les oreillers. Très joli. Bon travail. Ouh, c'est chic. Oui, essaie-le. Ok, j'essaye. Oh! Oh, mon dos! C'est pas un lit, espèce de roturière! Oh! La vie riche gagne! Oh yeah! Et enfin! Qui est la plus belle? On aura besoin d'un miroir pour le découvrir! Bonjour, mesdames! Comment trouvez-vous ce miroir? Oh, pour moi! Yeah! Et toi, qu'en penses-tu? Ouais, c'est sympa!
Bon alors, je suppose que vous allez devoir vous battre pour l'obtenir. Tenez-vous bien, go! Ouais, un combat! Je vais te montrer! Ah ouais? Prends ça, loser! Hé, hey, bon travail! Voici ton miroir! Ah! Je t'ai eu! Oh, pauvre fille! Hé! Hey, j'ai quelque chose pour toi! Oh non! Merci! N'est-elle pas adorable? J'ai une idée! Je vais fabriquer un cadre de miroir avec de la mousse de construction. Puis j'utiliserai de la peinture en bombe pour lui donner de la couleur. C'est super mignon, non? Waouh! J'adore! Sérieusement? Et la gagnante est... la fille pauvre! Wouhou! Et maintenant? Que serait une pièce sans tapis? N'ai-je pas raison? Bonjour, Ta Majesté! Hein? Je suis ici pour le tapis! Tu le voles? Non, 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 je vais le payer! Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est un plaisir de faire affaire avec toi! Mais... laisse tomber. J'ai trouvé un tapis! Mince, j'en ai aussi besoin d'un! Voyons voir. 10 dollars? C'est pas assez. Ceci fera l'affaire. J'adore mon tapis. Moi aussi. Hé! Hey! Reculez, mesdames. Pas sous ma surveillance. Prends ça. Oh, 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 oh. Sors d'ici. Merci, je t'en dois une. Oh, c'est pas grave. Tu peux avoir ça. Ton vieux pull? Il y a un trou dedans. Et alors? Ça me donne une idée. C'est tout ce dont j'ai besoin pour faire des pompons. Il suffit de couper le carton comme ceci et d'enrouler le fil autour. Faire des pompons, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il suffit de les coller ensemble et tu as un tapis. C'est fait! Encore une fois, tu reviens, toi! Non, non, c'est moi, l'hôte! Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Enfin bref, excellent travail! Très moelleux! Et la gagnante de la manche est... la riche! Oh, j'ai encore gagné! Ou pas, c'était une blague! La fille pauvre gagne à nouveau! Yay! Et maintenant, qu'est-ce qu'une chambre sans table? Aou! Stupide pneu! Tout est nul! J'ai une idée! Oh, un pneu gratuit! Je le veux! Rends-le-moi! Je l'ai! Oh! Je te donne 10 dollars pour ça! Pas question! Je suis riche! Tu peux utiliser un vieux pneu et du carton pour faire une table. Il suffit de les coller ensemble et de coller une corde autour.
J'ai une nouvelle table. Oh ! Ta-da ! Montrez-moi vos tables, mesdames. Pas mal. Oh ! Tu t'es surpassée. Oui. Yay ! Tu as gagné ce tour. Encore ? Chaque chambre a besoin d'une lampe. Qu'est-ce que les filles vont faire ? Oh ! Je veux celle-là. Oh ! Trop jolie ! Bah les pattes, c'est cher. Pas de problème. Très bien alors. Voilà pour vous. Génial. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Laissez-moi vérifier. Celle-ci est à 1$. Super. Donnez-moi une seconde. Une seconde, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un peu de découpage ne fera pas de mal. Ou peut-être que si. Hé, vous! Je suis fichue. Arrêtez! N'oubliez pas votre ampoule. Phew, merci. Je l'ai trouvé. Et voilà. Je vois que vous avez déjà une ampoule. Amusez-vous bien. Quelle jolie petite lampe. Quoi? Le cordon est coupé. Oups. Hey! Je sais comment réparer ça. Colle du fil de fer artisanal sur un gobelet en papier. Puis recouvre le fil de fer d'une corde décorative. Ensuite, utilise le fil de fer pour faire le cadre d'une montgolfière. Enfin, enroule de la ficelle autour du cadre. Puis colle le tout ensemble et mets des lumières de fée à l'intérieur. Je me suis fabriqué une lampe montgolfière. Alors, qu'est-ce que vous avez, les filles? Voici ma superbe lampe. Oh, je dois mettre l'ampoule. Voyons voir ça. Une seconde. Oh, mes yeux! Ça m'a brûlé le visage! Oh non, je peux pas croire ça! Oh, ça a l'air douloureux. Oh, un vrai génie. T'as encore gagné. Ouais, merci! Oh! C'est pas juste! Ouais! Yay! Que penses-tu de ce vase? Et que penses-tu de celui-là? Que vont faire les filles? Ouh, c'est mignon! Je crois que je vais le prendre. Oh oh! Comment oses-tu toucher mon vase? Je suis désolée, monsieur Poséidon, je vais vous l'acheter. J'ai pas besoin de ton argent humain. Je vais te montrer comment respecter les dieux. Ah, c'est bon, je prends le vase. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, stupide humain. J'ai plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez. Je suis de retour. Voici mon vase. Oh, joli. Et toi? Où est ton vase, hein? Oh, pauvre fille. Donne-moi une seconde. Je vais gentiment te donner ceci. Hein? C'est une poubelle. Hé, il y a un vase cassé. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais d'abord peindre les côtés des pièces cassées.
Ensuite, je recolle les pièces du vase ensemble. N'est-ce pas magnifique? Voici mon vase. Eh, pas trop mal. Burk, pas possible. Alors, mesdames, la gagnante est… Choisis-moi. Non, moi. C'est mignon, non? Mon vase est spécial. Ok. Très bien. Votons. C'est parti. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va marcher. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Je vais le faire aussi. Je vais les clouer ensemble. Les derniers morceaux. Elle a fait un nouveau cadre de lit. Hein? Hein? Tu m'as copié! Non, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Non, j'ai commencé avant toi. Oh, oh, mais je finirai la première. Non, tu ne le feras pas. Mon lit est prêt. Mais c'est très inconfortable de s'asseoir par terre. Oh, j'ai mal au dos. Oh! Hein? Quelle fille prendra le tapis en premier? C'est le mien. Non, c'est le mien. Donne-le-moi. Non, je le garde pour moi. Ce n'est pas juste. Oh, je sais. Je vais juste prendre cette couverture. Je vais prendre un oreiller. Et toutes mes peluches. La mienne est mieux. Non, il n'est pas mieux. Tina a un journal intime avec une photo de son béguin. Hein? Tu aimes les garçons. Regarde pas, c'est un secret. Ce n'est pas ma faute. Allô? Je veux une couverture. C'est pour toi. C'est super. Maintenant, je peux en faire une porte. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je peux faire ça aussi. C'est fait. Enfin, un peu d'intimité, hein? J'aurai une meilleure porte que toi. Sophie utilise des sœurs à la place. La mienne la couvre mieux. Non, ce n'est pas le cas. Tina est en train de décorer sa chambre. Hein? C'est joli. Je vais ajouter des décorations murales. Hein? Je pourrais faire ça aussi. Décore-le comme tu veux. Tu as pris mon idée. Tu trouves que ma chambre est plus belle? Non. Je vais ajouter quelques lumières pour la rendre plus confortable. Est-ce que tu aimes ça? Des lumières? Je sais, je vais utiliser cette applique murale en forme de cœur. Et... cette décoration en forme de flamme rose. Je l'adore! Quel style de chambre préfères-tu? Tina a une invitée. Oh oui, entre donc! Qu'est-ce qu'elles font là-dedans? Je veux voir. Peut-être que je peux me joindre à elles. Qu'est-ce que vous faites? Sors d'ici! Chut! Oh, tu n'as pas besoin d'être si impoli. Oh, je peux utiliser un vaporisateur de paix. Tu verras si elles aiment ça.
Oh non! Mais on peut utiliser un canon à confetti. Hé hé. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tu es prête pour ça? Oh oh! Kaboum! Sophie est couverte de confetti. D'accord, j'abandonne. Tina met du brillant à lèvres. Mais Sophie chante si fort que... J'ai abîmé mon maquillage, Burke. Oh, je sais, je vais devoir monter le volume de la musique. Qu'est-ce que... Oh, d'accord, d'accord, détends-toi. J'ai un meilleur haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement fort! Tu sais quoi? Utilise ça! Ce n'est même pas de la musique! Regarde si tu aimes ça! C'est trop fort pour eux deux! Les filles, vous êtes toutes les deux punies! Donnez-moi les haut-parleurs! Plus de son! Je prends ça aussi. C'est de ta faute. Mais je peux encore chanter. Je peux utiliser mon tambour à... Toi. C'est si joli. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Sophie jette ses déchets dans la chambre de Tina. Pourquoi? Moi aussi, je peux jouer comme ça. Tina a porté toute la poubelle. Chut. Prends ça! Oh oh! Maintenant, la chambre secrète de Sophie est pleine d'ordures. Toi! Tu le mérites. Maintenant, ce sera paisible. Oh! Je vais te surveiller. Oui, bien sûr. Nos filles dorment dans leur chambre secrète. Qu'est-ce que c'était? Regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est un fantôme. Peux-tu allumer la lumière? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donne-moi ta pantoufle. Ma pantoufle? Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais... Trappe-la. Très drôle. Que la lumière soit. Yeah! Hein? Ce n'était pas un fantôme. C'est juste ses vêtements. Les fantômes n'existent pas. Oui, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Tina mange des chips. Non, 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 non. Il n'est plus de cola. Oh! Mais Sophie a presque une bouteille pleine. Il faut que je l'appelle. Attrape! Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'écoute. J'ai des chips et tu as du cola. Il faut qu'on échange. J'ai une idée pour ça. D'accord, essayons. Utilise une poulie, une corde et deux seaux. Mettons-les à l'intérieur. Hi. Maintenant, il suffit de tirer sur la corde pour envoyer les seaux de l'autre côté. Je te remercie. J'ai du cola. Nom, 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 nom. Miam! Hey! Hein? Tu veux que je te le rende? Oui! D'accord! Remettons-le en marche. Mais Sophie a enlevé le jeton. Alors maintenant, l'un des seaux est vide. Ouf! Elle n'a même pas remarqué. Hein? Où sont mes chips? Maintenant, j'ai les deux! Je t'ai fait confiance.
Tina termine sa chambre et Sophie mange des bonbons. Oups! Oh non! Hey, pourquoi as-tu fait ça? Je te jure que c'était un accident! Prends ça! Hé, hey, reprends-le! Ah! C'est la bagarre! Les filles détruisent les chambres secrètes des autres. Sa chambre est en train de s'écrouler. Eh bien, la tienne aussi. Oh non! Leur mère est entrée dans la pièce. Les filles, vous devez vous calmer. La raison. Désolée, maman. Il faut que vous fassiez un traité de paix. Venez. D'accord. Bien. En fait, je pense que c'est plus agréable maintenant. Tu as raison. N'est-ce pas mieux quand les filles s'entendent bien? Hé les Kaboomers! N'était-ce pas super amusant? Que pensez-vous de notre vidéo? Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner à Kaboom Energy pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Restez à l'écoute et à bientôt!